Eh bien, bonjour à nouveau. J'ai profité des soldes Steam, un peu comme tout le monde, et je me suis dit que ce serait intéressant bah, que je me penche sur le cas de cette boîte qui avait fait Inside. Et donc, du coup, eh ben, je me suis récupéré le jeu qui avait précédé. Et qui était Limbo, que beaucoup de gens ont probablement fait, mais moi je suis un petit peu l'ours qui vit dans la grotte, donc j'avais pas trop eu l'info. Et du peu que j'en ai vu, je me suis dit, bof, ambiance similaire, ça peut être sympa, pourquoi pas tenter le truc, même s'il est un peu plus ancien et que technologiquement il sera peut-être pas aussi classieux. Donc voilà le petit voyage que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tour dans Limbo, voir ce qui se cache derrière cet univers de noir et de blanc. Brou. Alors. J'ai commencé le jeu pour voir un petit peu ce que ça donnait. Bah, je suis pas allé très loin parce que je me suis dit oui, ça sera vachement plus marrant le streamer. Démarrage super original. Pour ceux qui ont fait Inside, puisque on vous pose un endroit par terre, allongé sur le sol, et grosso merdo, la traduction c'est bonjour, démerde-toi. Donc me voilà. Alors l'ambiance est déjà bien foutue, parce qu'il y a toujours un travail et une patte graphique que j'apprécie beaucoup. C'est stylisé, mais sans être minimaliste, mine de rien. Il y a un énorme boulot. Toujours sur ces histoires de profondeur de champ. Ici, c'est le grain vidéo qui est travaillé, qui est travaillé d'une manière très originale et qui est vraiment la patte du studio, j'imagine. À propos de ce studio, il faut savoir qu'ils vont sortir un nouveau jeu, on ne sait pas quand, je pense que ce sera cet automne, qui s'appelle Somerville et qui reprendra ce principe du bonhomme qui scrolle éternellement sur un plan 2D. Et toujours avec des univers qui sont vraiment particuliers, comme eux seuls ont le talent de les faire. Pour info et pour rappel encore, il y a un petit test que j'ai foutu sur sofaq.com où j'ai fait un petit comparo entre Inside et Little Nightmares, qui reprend également le même principe, pour montrer aux gens en fait la différence qu'il y avait et l'intérêt qu'on pouvait donner à l'un par rapport à l'autre. Parce que ces deux jeux sont formidables au point de vue aspect visuel. Par contre, ils n'ont pas du tout le même impact sur le joueur par rapport à ce qu'ils permettent de faire. Mais je vous laisse regarder. C'est sur sofaq.com. Pour les gens qui se demandent ce que c'est que ce site, c'est comme ça se prononce. Vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Allez-y, on démarre l'aventure. Donc toujours, scroll. Hop, hop, hop. Je peux sauter aux jouailles. Et j'ai un bouton pour, on le verra plus loin. Manipuler les différents objets. Le petit côté ombre chinoise est vraiment très sympa. Alors par contre, il y a un truc qui manque toujours, c'est on peut pas scroller un petit peu plus loin que l'écran qui est affiché avec le stick droit. Ce qui fait parfois on se demande ce qui nous attend un petit peu plus en dessous, à gauche, à droite. Mais bon, c'est un détail. Et en fait, vu que les développeurs sont assez calés dans le domaine et ils savent ce qu'ils font, ça sera jamais quelque chose de très très pénible. Hop, nous y voilà. Nous y voilà. Toujours une atmosphère bien festive. On voit que c'est bariolé de couleurs, avec beaucoup de lumière, de luminosité, histoire de vous rassurer totalement sur ce qui va vous arriver. Alors pour les gens qui ont le mal de mer, il n'y a aucun souci.
Par contre, pour les gens qui sont arachnophobes comme moi, vous allez vite remarquer que des soucis, il va y en avoir. Bonjour, monsieur Chaos. Je vois qu'on a la même envie de travailler que moi. Hop là. Damnation. Alors, les énigmes, pareil que pour Inside, elles sont pas énormément compliquées, c'est juste de l'observation. Comme je l'avais dit pour le test, un môme de 8 ans peut s'en sortir aisément. Il suffit de regarder où on met les pieds. Et toujours le talent du studio, elles sont amenées d'une manière qui fait que c'est jamais flagrant qu'on arrive, quoi. C'est très très rare. Donc même en étant un joueur un peu acharné ou confirmé, vous allez souvent arriver et vous manger des râteaux, comme on dit, ou mourir bêtement. Ça arrive très très couramment. Moi, j'ai juste avancé 5 minutes dans le jeu, c'est-à-dire jusqu'à... Bah, je peux vous la spoiler, hein. Jusqu'à notre ami... Hop là. J'adore comme il éclate à chaque fois. Jusqu'à notre ami araignée. Et puis après, je suis allé me coucher. Pour le détail, Limbo, c'est 1,99€ en ce moment sur Steam. Donc, si c'est le genre de jeu qui vous plaît, point de vue ambiance et gameplay, vous retenez pas trop. C'est une bonne affaire. Alors, ça ne fonctionne pas, car on ne peut pas sauter deux pièges à loup d'affilée. Mais on peut sauter une fois un piège à loup, mais pas sauter 1000 fois un piège à loup. On est bien d'accord. Allez, prends un chewing-gum, Henri. Hop. Ça n'est pas très frais. Oups. Bon, vu que je suis allé jusque-là hier, ça manque l'effet surprise pour moi. Mais pour vous, ça doit vous faire marrer. La souplesse du perso est toujours pareil, très très agréable pour la prise en main. C'est un vrai petit bonheur sur ça. Et puis l'ambiance son, travaillée jusque dans les détails. Oups. Je commence à vraiment apprécier ces jeux où on est sans armes et qu'on doit vraiment se débrouiller juste avec sa tête. Même s'ils ne sont pas technologiquement aussi époustouflants que les dernières productions. Il n'y a pas besoin de faire des choses très très complexes et visuellement... visuellement trop léché. Alors là, how to comment tout traverse hein. Car il y a un détail qu'on découvre la première fois, c'est... Je vous le fais voir pour le principe, mais... Parce que ça, c'est exactement ce que j'ai essayé la première fois que je suis arrivé. Moi, je voulais absolument avancer avec la boîte, et j'ai découvert qu'on ne savait même pas nager, contrairement à Inside. Le drame. Donc, une caisse en bois qui veut pas avancer. De la flotte qui m'empêche de passer, mais j'ai remarqué cette petite liane qui avait au passage avant. Toujours ces histoires d'observation.
truc pénible, c'est que du coup, on n'arrête pas de regarder quand on avance par terre s'il n'y a pas des petits triangles qui dépassent pour pas se prendre encore un piège à loup. Puis la moindre aspérité, genre ça, là, on fait, oh, bah non, je vais pas passer dessus, quoi. On part un œil très rapidement sur les pièges qu'auraient pu balancer les développeurs. Et bien, ce piège à loup là-haut, hein, je pense qu'il doit en attraper énormément, surtout des loups volants. Et voilà ma copine. On est bien d'accord, même en voyant juste une ombre chinoise, on trouve qu'elle est particulièrement dégueulasse, cette araignée avec ses petits poils aux pattes là. Donc je vais avoir un léger problème pour continuer d'avancer. Bonjour, comment t'appelles-tu? Géraldine l'araignée donc. Ce que je vais te proposer, c'est de fréquenter un piège à loup. Je passe, hein. Ça aurait pu passer. Ça a fait mal. Est-ce que j'ai passé mon piège à loup? Non. Et doucement, j'étais pas prêt. Alors le truc qui est marrant quand même, c'est que c'est super glauque. Avez entendu le petit bruit? C'est super glauque, mais on rigole quand même. Le piège à loup est en train de bouger, donc faut que je l'attende. J'aime ce bruit. C'est dommage de sauter dedans. Nous allons avoir une petite discussion sérieuse avec Madame Araignée. Bien la grosse chose dégueulasse. Bonne chose. Une papate. Vas-y. Next. Oui, la dernière patte est un petit peu plus vive. Chaîne. Une bonne chose de faite. Regardez-moi cette grosse. Ah. Bon, c'est vrai, je suis arachnophobe. Donc moi quand je vois ça, rien que de le voir, mais il y a un rapport de fascination aussi. C'est qu'une araignée, je trouve ça très perfectionné sur l'araignée animale. Parce qu'avec ses 8 pattes, la façon de se déplacer, tout ce que ça sait faire, c'est assez magnifique. Mais bon, impossible d'en prendre une dans une main. Voilà, je me suis arrêté là, hier. Parce que j'avais pas fait gaffe à ce qu'il y avait par terre, qui était légèrement le nid de. Bonjour. De cette charmante créature. Qui pour le coup ne va pas me zigouiller tout de suite. Mais plutôt me mettre dans ce qu'on appelle un garde-manger. Alors c'est ça qui est toujours intéressant avec ce studio, c'est la narration. C'est qu'il nous arrive des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, qui ne sont pas tant téléphonées que ça.
Et c'est vraiment agréable, quoi. L'effet de surprise. Moi, si on m'avait dit que dans Limbo, je serais une espèce de ver de terre parce que j'ai été transformé en cocon par une araignée, j'aurais pas trop cru les gens. Si en plus, on m'avait dit que il allait falloir que je me fasse tout le jeu en mode cocon, j'aurais encore moins cru les gens, je crois. Attention à la marche, monsieur. Un petit fell? Non. On va éviter bon matin. Ouais, toujours petits oignons, cette ambiance son qui change discrètement et mine de rien, joue pas mal sur vos ish, vos ressentis. Aïe, aïe, le truc qui est quand même très très drôle, c'est qu'on voit venir les sales coups qui vont nous arriver, même qu'on a commencé à faire une erreur. Le jeu est assez précis sans vraiment être millimétré, c'est ça qui est très appréciable. J'espère que je vais quand même pas me tartiner tout le jeu en mode Worms parce que ça va être chiant. Puis j'ai pas d'armes, normalement je pourrais avoir au moins de quoi faire pleuvoir des moutons explosifs. Il devrait faire un jeu d'horreur avec des lemmings. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il vient de voir, elle? Reste où t'es, chérie. Reste où t'es, que tu es moche. Mais que tu as l'air vilaine. Elle prend son temps, c'est ça qui est vraiment pervers, quoi. Bonjour, je vais te défoncer. Mais non, madame araignée, t'as pas envie? Non. Où je suis? Où je suis? Ouais, je vais rester un moment par terre, trop d'émotions. C'est très saillant ce petit bout de toile d'araignée dans les tifs. Salut toi. C'était un piège. Alors ça. Sauf erreur, c'est un piège à loup que je vois là-haut. C'était bien un piège à loup. On voit vraiment venir les trucs, mais naïvement, on croit que ça passe et c'est fait pour ne pas passer. Bon, je vais faire un petit enchaînement, je pense. C'est un peu tôt, mon ami. Ça, c'était le réflexe qui sauve. C'était le réflexe qui sauve. Ça doit être très impressionnant de se le prendre dans la poire, celui-là. De rester dessous, garçon.
Où tu vas, petit coquin? Je ne suis pas seul. Le passage Donkey Kong. On va se calmer les enfants là. Vous avez passé un sale quart d'heure ou deux là-haut. Comme dirait Roberto Benigni dans Don Bailo, You throw balls at me, I throw balls to you. Don Bailo, très bon Jim Jarmusch, noir et blanc. Ah, regardez, je vous recommande. Je vous avais parlé d'un bonus sur le stream que je fais de ça et j'ai totalement oublié ce que c'est. Mais je vous promets, je vous trouverai un bonus. Ça, on va pas me faire croire que c'est pas un piège à loup. Donc zip, hop, hop. Vas-y, déclenche-toi. Mais oui, rajoute des pièges à loup, mon garçon, tu regardes. Tu as totalement raison. Ah oui, la première lame coupe le petit bonhomme et la deuxième le décapite avant qu'il n'ait le temps de se rétracter. Il faut avancer, reculer, avancer. Ce qui du coup permet de ne pas sauter en face, yippee-ki-yay. Bon, niveau souplesse, comme pour Inside, c'est béton. La maniabilité, il n'y a absolument rien à redire. Des claques. Bon, oui. Bah, je crois que je vais y aller là. Prends ton temps, l'araignée. Prends ton temps, l'araignée. Restons zen. Petit pas. Merde! Je crois que j'ai fait mourir. Oups. Ah, peut-être que je pousse ça, les gars. Ah, la salope. La salope. Pourquoi ils sont obligés de foutre des araignées dans ces jeux? Putain de jeu. Zen. Zen. Va m'arriver une saloperie. C'est parti. Alors, rocher bloqué, roulé. Et si je me cache dans le petit creux, ça marche. On dit ça. Ouais, hop, putain. C'est une bien bonne nouvelle. Une araignée en moins. Bon, normalement, les gens normaux utilisent une godasse. Mais vu la taille du bestiau. Là, ça sent la blague du tronc qui glisse. Même pas. Et tonifiant. Ils sont pas creux, ces troncs, des fois. Non. C'est fou comme avec un rendu d'aspect simple, on peut faire quelque chose quand même qui a vraiment de la gueule.
va falloir réfléchir très très vite là. Je ne peux pas sauter. J'ai une amie qui me veut du pas bien, juste à gauche. Mon amie qui me veut du pas bien, apparemment, devrait me servir à pouvoir passer. Mais il te reste plus qu'une patte, mes mères. Et puis elle est vive, hein. Ben voilà, c'est ma patte maintenant. Fallait pas. Tiens, tiens. Alors là, je ne vais rien dire, mais les gens qui me connaissent savent de à quoi je pense. Normalement, ça va par deux, ces trucs-là, non? Elle est énorme. Oh, ça va faire mal, les enfants. C'est une araignée, hein, je le rappelle, pour les gens qui prendront cours. Toute ressemblance avec une autre partie de morphologie d'humain serait purement fortuite. Qu'est-ce qui va pouvoir arriver comme tu es là? Un piaf, une caisse. Fais tomber la caisse, mon ami. Et un petit gars prisonnier. Et un passage qui doit sûrement être à prendre. Oups. Alors, vu l'état des cordes, m'est avis que cette caisse ne tiendra pas longtemps, mais qu'elle me sera utile pour passer de l'autre côté. Que va? Ce n'était pas si haut que ça. Il aurait été salaud, il m'aurait fait glisser parce que j'ai pas sauté en chutant de la petite corniche. Mais ces développeurs ne sont pas des salauds. Je pense qu'on battra quand même pas le record de Inside hein, avec le passage final. Si vous l'avez pas vu, enfin, si vous n'avez pas l'intention de faire le jeu déjà, oui, regardez mon stream sur le dernier passage de Inside, qui est quand même bon. Je ressors mon expression populaire classique, à se taper le cul par terre. Vous allez finir le jeu dans des circonstances que vous n'aviez pas prévues en le commençant. Quoi. Et ben. J'espère que Limbo me réserve un petit peu le même genre de surprise. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une narration, mine de rien, sur un jeu tout con comme ça où on se déplace sur un plan, à résoudre des énigmes et à faire 2-3 passages à la Mario. C'est que on va de surprise en surprise. Il n'y a pas grand-chose de vraiment trop téléphoné. Je quand même pas me noyer là-dedans, les gars. Merci, c'est gentil. Par contre, là, je vais avoir un problème. Mais ce cadavre m'a l'air d'être un très très bon flotteur.
D'accord. Les gens aiment beaucoup se suicider dans le coin, apparemment. Pas de cailloux à la Indiana Jones, sûr? Vas-y, on prom, c'est sur ta corde, mon gars. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est on ne voit pas venir le truc. Genre, bonjour, ici un bloc de 10 tonnes en suspension, en bas une corde. Mais tout va très très bien se passer. N'est-ce pas? Ça, c'est fait. Alors là, j'ai pas pigé l'astuce. Vu que je ne peux pas, j'aurai jamais le temps de remonter. Hey mec, viens voir, j'ai un truc à te dire. Mec, mec, hey, come on. Il n'y a rien d'évident là. Ah! Tu nous me reprends. Merde. Donc, il jette des cailloux. C'est une bonne chose. Parce que maintenant, il serait assez énervé pour venir me chercher. Ouais, non, je me casse. Comment je le fais? Comment je le tease pour qu'il vienne et... Mec, t'as vu? T'as vu? J'ai une Switch. J'ai une Switch. Tu veux essayer? papa, c'est pas très évident. Monsieur me jette des cailloux. Pas ramasser ces cailloux, c'est mieux. Pas trop faire le con. Ah, je n'ai pas saisi des idées sur le chat. Parce que là, je bloque un peu. Oui, je sais. Je pense à cet enfant de 8 ans qui aurait déjà compris la mécanique. Ouh, vilain! Bon, il m'a jeté un caillou et c'est tout. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas trop d'issue ailleurs, vu que quand même, on est en 2D, hein, donc on fait qu'avancer. Ah oui, je veux volontiers qu'on me spoil, parce que celui-là, je ne saisis pas ce passage. Parce que le gars, pour le faire venir, apparemment, il n'a pas trop envie, à part me jeter des cailloux. On me souffle discrètement, enfin non, c'est mon intelligence. Je vais appeler notre collègue sur le chat qui est Kalos. Non, mon intelligence. Donc mon intelligence m'a rappelé quand même que j'avais peut-être oublié quelque chose sur le passage. Genre ça. Mais diable que je suis intelligent! Ayons tous une pensée pour cet enfant de 8 ans qui l'aurait déjà fait. Monsieur Chaos, tu es content que je t'appelle intelligence? Non, mais ça va être très très bien comme binôme. Mon intelligence sur le chat et moi sur. Oh là, ça m'a l'air particulièrement dégueulasse. Et affamé. Et c'est quoi par terre? De toute façon, faut essayer, hein. Un petit die and retry. Il n'y avait rien de spectaculaire. On va mourir quand même, parce que pour le principe, je veux voir comment on meurt. Eh bien, on ne meurt pas. Ce jeu rend schizophrène. J'aime pas sauter quand on voit pas ce qu'il y a en dessous, c'est pénible. Enfin, c'est stressant. Salut. On va éviter.
J'aime beaucoup mourir dans ce jeu. Donc ça ne veut pas. Objet, j'ai rien vu de particulier. Si je saute sur le truc au milieu, par contre, c'est une bonne idée. Il va y en avoir plusieurs comme ça, puis il y en aura le dernier, il faudra pas sauter sur le truc au milieu. On parie? Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe de dev, c'est qu'ils ont les mêmes perversions que moi. Et en fait, ils ont les mêmes perversions que tout le monde. Ça me paraît un petit peu long. Ça semble un peu long à sauter, mais ça se tente. Oula. Pardon. Je voulais pas. Je pense qu'il faut que je me fasse capturer. Non. C'est pas gentil, ça. Même pas peur. Est-ce que je me fais capturer ou c'est juste une mort? C'est juste une mort, ok. C'est ça le problème avec les vieux, c'est qu'ils ont des soucis de mémoire. Ils se rappellent plus trop ce qu'ils viennent de faire il n'y a pas 30 secondes. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, vous jouez avec Alzheimer, moi, et Intelligence, mon assistant secret dans le chat. première, faut sauter, oui. Ok. Tu notes, première, tu sautes. Deuxième, tu évites. Maintenant, la deuxième est première, et inversement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Faut l'éviter, ouais. Diable que j'aime les prods de ce studio. Avec ce truc. Ah oui, j'ai retrouvé ce que je voulais vous partager en bonus. J'aurais dû le préparer avant le stream. C'est un court-métrage australien. Parce qu'en fait, quand j'ai lancé Limbo, la première chose qui m'a rappelé, c'est ce court-métrage australien d'une vingtaine de minutes qui s'appelle Les Aventures de Casper Morello. Alors je vous laisse le chercher sur YouTube. Non, de Jasper Morello. J. Jasper Morello avec deux L. Vous allez chercher ça sur les sites de vidéos. Vous le trouverez, je pense. Ce court-métrage n'a pas trop eu les privilèges d'être mis en avant à quelques moments que ce soit. Il n'y a que Arte qui l'a passé un soir, une heure complètement indécente d'ailleurs. J'étais tombé dessus et c'est le même principe, c'est-à-dire c'est de l'animation toute plate comme ça, en 2D. Et c'est super chouette parce que ça mélange un petit peu le système des ombres chinoises avec de la 3D qui est super bien intégrée pour faire les objets évoluer. Sont dans la scène et je vous plus que recommande le visionnage de ce truc quoi, parce que c'est assez génial. Jasper Morello, les aventures de Jasper Morello, mais je vous le redirai à la fin du stream. Alors quel est ce piège à je suis peut-être descendu un peu trop vite, mais en fait elle est là la chose. Puis-je sauter en face? Oui, très bien. Puis-je me faire broyer par ça?
Sans aucun problème. Je saute, ça va se dérouler. Donc faut que je monte à fond la caisse. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais je vais le faire quand même. C'est très bien comme ça. Oh putain, faut rogner là. Non! Bon, petit test. Est-ce que si je saute de cette plateforme, déjà, je me scratche comme une lamentable de merde? Ça va. Ok, Doc Doc. C'est reparti pour la scène du petit singe savant. Allez, run, bonhomme. Vite. C'est un peu tard, ça. Ah, mais il y a ça en plus. Maintenant, c'est bon. C'est bon pour le moral, même. Oh, attends voir. Elles sont pas reliées à la corde du haut, elles sont reliées à la corde médiane, là. Ok, donc corde numéro 2, bloc numéro 2, corde numéro 1, bloc numéro 1. Le tout va être cohérent. Hey, bonhomme. Du coup, je pige pas trop comme ça le chariot, monsieur. Là, je perds du temps. En fait, le chariot m'emmerde plus qu'autre chose. Allez! Eh non, mais il m'emmerde pas le chariot. Reviens, chariot, je t'aime. On sent le joueur qui s'énerve un peu. Je crois que Greu. Falloir enchaîner, mon petit. Va falloir rester un moment sur la prochaine corde. Le jeu, s'il avait été fair play, me l'aurait accordé. J'ai pas bougé le chariot encore. Un peu d'astuce, beaucoup de patience. Et de la souplesse.
Donc on va bien attendre qu'il soit à mi-hauteur, sinon il va y avoir un gros problème. Qu'est-ce que c'est que ça? On devrait mettre ce jeu dans la catégorie jeu éducatif pour apprendre aux enfants ô combien notre monde est hostile. Toi, tu m'as pas l'air très. Je contrôle plus l'avancée du personnage, je contrôle uniquement les sauts. Je suis un zombie. Pourquoi il va dans l'autre sens? Mais non, change de sens. Bon, faudrait que je pense à sauter sur cette caisse. Il faudrait que ce truc me saute pas sur la tête, ça sera encore beaucoup mieux. En rochant, c'est pas possible. Non. Cerveau. Cerveau. Non, 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 non. Quoique si, peut-être. Si j'arrive à faire bouffer le verre par une de ces cochonneries là-haut, ça serait probablement une bonne nouvelle. Coucou. Non, 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 il fallait pas monter tout de suite. Bon, allez, meurs. Le truc qui est bien aussi avec leur jeu, c'est que c'est toujours super glauque, mais en fait c'est super marrant. Il y a vraiment un côté fun. Ah, je peux courir, c'est la bonne nouvelle du jour, ça. Je ne contrôle pas la direction du perso, mais... va se mettre bien en dessous. Il y aura bien un candidat pour... croquer dans ce petit verre qui a l'air tout à fait juteux, quoi. Salut les gars, ça va? Je suis bon là. Yes! Allez, cochonnerie. Ça fait bizarre qu'on contrôle plus son personnage, vraiment. Ne touche pas la manette, Igor! Oui, chef. Mais chef, il y a une manette pourtant. Cric-crac, cric-crac-crouc. Oui. Ça ne m'en dit guère plus. Alors, t'es un hostile, toi? Il y a des trucs là-haut. Tu veux que je t'aide à les prendre? Ah, je peux t'aider si tu veux. Enfin, je suis supposé t'aider. Non, ça c'est dans le fond.
Ok. J'arriverai jamais à sauter jusque là-bas. Alors, qu'est-ce que j'ai pas compris dans l'astuce là? Ouais, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Il fallait mettre la caisse tout à droite, d'aller coincer. Hop, hop, hop. Attends 2 secondes. Ouf! Ouf! Vous savez, est-ce qu'il y a des nouilles tout autour et quelque chose au milieu? Eh oui. Le cul bordé de nouilles, comme on dit. Et là, ça va être une caisse qui ne flotte pas. Non, mais fais pas ça. Ouais, c'est une caisse moyenne, quoi. La flotte, elle continue, elle est tranquille. Que j'aurais peut-être dû. On va bien voir ce qui se passe. J'aurais dû le pousser. Ça va pas très bien se finir, monsieur. J'ai raté le truc. J'ai raté une belle occasion de faire quelque chose de bien. C'est raté, monsieur. C'est très raté. Faut vraiment que je l'attrape au premier saut, ce truc.
ça c'est fait. Se tenir prêt à refermer une fois qu'il est passé, que j'ai le temps d'aller le pousser de l'autre côté. Cassos. Mais là, tu es bien embêté. Pourquoi tant de haine? Sauf erreur, il me semble que l'interrupteur d'avant est inaccessible. Là, tu as l'air d'un con. C'est quand même dommage de savoir s'accrocher à des lianes et pas à des chaînes. Alors, qu'est-ce que j'ai pas observé, moi, dans ce... Non, je ne ferai pas appel à mon intelligence. Je veux y arriver moi-même avec mon monde. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si je jump avant. Si je jump avant, je vais tomber dans la flotte et je vais me noyer, comme on dit couramment. Est-ce que la caisse d'avant va me servir à quelque chose? Pas du tout. Ça coûte rien de retourner voir. Si je baisse le niveau, est-ce que ça va le baisser au moins? Ça va me baisser tout seul. Admettons, la marmotte. The marmotte. Ça se tente. Que c'était pas ça. Non, tu es bien petit pour sauter là où on est. J'ai pas fait très attention à ce que ça avait activé le premier lanterne. Je revois ce que ça fait, là j'ai pas tout pigé. Hey. Alors, tu bloques le flux de flotte. On sait de dans quel intérêt. Je bloque le flux de flotte. Ce qui veut dire que si j'en revenais. Je crois que je suis en train de m'inventer un faux problème.
Oh putain, c'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est un système de vase communicant tout bête qui fait qu'il faut que je bloque un max de flotte du côté droit du bassin. Vois-tu? Et pour faire ça, il faut que je ferme d'abord le petit orifice et qu'ensuite je plonge le bloc qui, de sa masse volumique, mic, 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 va me mettre un niveau d'eau qui convient. J'ai pas vraiment envie de me reprendre un verre qui me fait marcher en mode zombie là. Je vais peut-être pas avoir trop le choix. Alors, est-ce qu'il faut que je prenne ce truc? Je veux pas. Je suis pas consentant. Change de direction. Mais change de direction, bordel. Non, je ne céderai pas. Y avait un bout d'idée. Mais j'ai pas eu le temps de prendre mon truc. Allez, meurs. Alors, ce qui va se passer, je vais me prendre deux trucs sur la tronche qui va me faire retourner à gauche et avancer éternellement à gauche. Alors que je vais aller à droite. Tout simplement. Alors que faire, Nicolas? Eh bien, il ne faut jamais, au grand jamais, faire ce que je vais faire. Déjà, je vais me prendre le verre au vol. Yes. Je vais me faire une petite clope, hein, le temps qu'ils réfléchissent. Donc je reviens systématiquement à gauche. Ce cube m'emmerde plus qu'autre chose en fait. Si je fais l'erreur de monter sur le bloc, je suis piqué. Si je monte sur le bloc, après il va partir tout à gauche encore. Je pense pas qu'il va y avoir un très très gros succès. On va essayer. Alors, qu'est-ce qui se passe si je me balade en mode zombie là? Oula, arrête de faire le con. Je peux passer sur ces trucs. Non, 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 c'était pas ce que je voulais faire. Monsieur, monsieur. Il va toutes me les faire.
Et là, on fait quoi, mes amis? Oh, je suis vraiment très très ennuyé. Alors, note pour plus tard, les vers de cerveau n'aiment pas beaucoup. Non, mais t'es mort là. La lumière. Du coup, j'ai pas eu le temps de saisir le parcours exact qu'il faut faire. Hop. Hop, hop. Ah, si monsieur voulait bien s'arrêter de marcher, ça serait super. Observation, observation, observation. J'ai pas 36 000 options là. La flotte monte inéluctablement. Là, une fois que je suis là, ben, je vais mettre un petit peu dans l'os. J'ai pas saisi ce qu'on pouvait faire. Si en plus je mets de la mauvaise volonté, ça va pas le faire. Admettons. Hop, après je vais faire demi-tour et peut-être ça va bien se passer. On a le droit de rêver. Bon, cette caisse ne flotte pas. J'espère qu'il y a quelque chose de flottant qui aura la bonne idée de monter. Que je puisse aller saluer les petites mâchoires qui m'attendent là-haut. Apparemment, il n'y a rien de flottant qui monte ici. Ah, je t'aime le tube. Je t'aime le tube. Est-ce que tu m'aimes toi? Merde! Il faut vraiment attendre. Attendre bien gentiment que notre tube flottant arrive au bon niveau avant de sauter sur le paletot et d'enchaîner, car je ne contrôle toujours pas l'avancée. À table. Ça continue de monter, les gars. Donc, expression classique numéro 17, le saut de la foi.
Aïe, ah, saloperie. Ça passe. Eh oui, et soudain, c'est le brame. Alors, temporisation. 1, 2, 3. 3 secondes d'extinction pour passer. Heureusement que ce garçon sait faire de magnifiques jumps. Hein. Eh bien non. Pourquoi on ne peut pas s'accrocher? Bon, je peux pas m'accrocher. J'ai perdu. Non. On va se laisser tomber tranquille, hein. Merde! Très, très honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs plans des promos Steam en ce moment, ça. Moins de 2 euros. Foncez si c'est votre type de jeu. Alors, j'ai aucune idée de la longueur du jeu. Je pense qu'il ne doit pas être énorme. On va dire, allez, imaginons 4 heures. C'était combien de temps j'avais passé sur Inside? Sur Inside, j'avais eu quelques endroits où j'avais bloqué bêtement. Donc je pense que j'ai dû passer quand même bien 5 heures sur Inside. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. It's your birthday, oh yeah. Non, 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 non. Là, on ne le voit pas sur le retour caméra, mais j'ai une petite perlée de sueur qui vient de passer. Et je crois que j'ai pas fini de suer.
très content de ne pas être allé voir ce qu'il y avait là-bas dessous. Et je pense que je vais un petit peu m'obliger à y aller. Alors, oui, non, peut-être. Eh ben, ça y est, j'ai fini le jeu. Non, il y a un piton là-haut, mais je ne sais pas si je peux l'atteindre. Mais t'as vu qu'il veut vraiment beaucoup que j'aille voir sous cette verrière là-bas ce qui se trame. Oui, le piton s'est grillé. Ok. Dans le doute, je vais te laisser là, toi. Ça se pousse. Perte et fracas. Les gens moins bêtes auront remarqué qu'on a une échelle. Mais moi j'insiste, j'aime bien. Ok. Il est compris. Il est compris. Il est pas bête, mais il comprend d'où c'est mal. Là, c'est malin, je peux plus pousser là. Je crois qu'il y a eu un saut de raté en route. C'est pas passé loin. Fait longtemps qu'on n'a pas vu d'araignée, non? Qui servent. Et c'est un sac de cul. Quoique, on me sous-entend que ces lianes pourraient peut-être avoir une utilité. Allons voir à droite. Non, non, je veux pas être un zombie. Non, puis quoi de plus moche qu'être un zombie à la charge d'un ver, quoi. Autant ce sera un animal magnifique, je sais pas, un renard roux. Gros, gros. Bon, qu'est-ce que je peux faire une fois que je suis un zombie? Il n'y a même pas des choses en plus que je peux faire. Alors, allons voir de l'autre côté, on n'y a pas été. Et là, normalement, on devrait avoir de la blague. Ouch, ouch. Une caisse, machin chose. Pas moyen de choper la caisse.
Ça va très très mal se passer, je pense. Même pas? What the frag? Et soudain, pas encore de drame, mais ça va pas tarder. On va l'éviter, lui, hein. Peut-être que ça faisait descendre cette pièce. Ah non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je me suis fait monstrueusement avoir. Doucement, 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 doucement. Mollo. Qui va tutti, va frutti. Bon, reprenons. Ah merde, il marche encore. Je peux même pas faire une pause. J'ai ce truc qui va déclencher la caisse qui. Faut que je monte sur la caisse et que je saute par-dessus cette damnée-ci. Et après, je donnerai l'alarme. Parce que la scie donne toujours l'alarme. Juste manquer un poil de synchro sur mon montage de caissage. Alors, le souci, c'est que mon bonhomme pousse la caisse au lieu de monter dessus. Et je rappelle que ce bonhomme est contrôlé par un humain derrière. Mais je pense que c'est ça mon plus gros souci, c'est cet humain. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et pareil pour le zombie. C'était à trois poils de fesse. Hein. Hé! Les affamés ont même pas chopé mon verre. Oh, il me remet avant la scie en plus. Donc, pensez à sauter sous les affamés, histoire de se débarrasser de cet implant de cerveau qui est pas très agréable. Et maintenant, on fait quoi? Ça n'était pas très malin. J'ai même pas fait gaffe ce qu'il y avait de l'autre côté. Et bon, là, je suis grillé. Plus moyen de passer. Ça fait combien de temps que je stream là?
faire une petite pause aussi. Petite pause syndicale. Donc voilà, c'était la première partie de ce stream sur Lindo, qui me plaît beaucoup. Et on se retrouvera, je ne sais pas quand, pour faire la deuxième partie. Je vous rappelle que si vous avez apprécié l'ambiance visuelle de ce jeu, qui est bien sympatoche, il y a un court-métrage australien qui s'appelle Jasper Morello. J'arrête pas d'en faire la promo, mais c'est normal. Cet animé est vraiment formidable. Cherchez-le sur les sites de vidéos. Vous verrez que ça vaut le coup. Ça dépayse un petit peu de toutes ces productions uniformisées en images de synthèse avec du polygone saillant et coloré. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir suivi le stream. Ciao!